Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les entreprises aient une vision d'avenir, une vision à très long terme, c'est-à-dire qu'elles se remettent en question et qu'elles ne soient plus seulement motivées par des indicateurs financiers de croissance ou de cours en bourse, mais qu'elles relèvent leurs ambitions en acceptant voilà, de faire de la responsabilité sociétale et environnementale un petit peu leur centre, leur gouvernail, je pourrais dire, pour leur stratégie. Je pense que c'est souhaitable et je pense que ça va être nécessaire, ne serait-ce que pour la survie de l'espèce humaine, mais des entreprises. Dans un premier temps, le monde évolue, on est soumis à des contraintes physiques qui vont forcément pousser les entreprises à se réinventer, à s'ancrer dans la société pour avoir une mission et ne plus voilà, être motivé par quelque chose qui a été construit au cours de la civilisation par l'homme et qui sont des indicateurs, par exemple, économiques. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur le système dans lequel oui, ces entreprises sont ancrées et en effet, ça peut venir du plus haut de l'entreprise, donc des PDG, des CEO, etc. Pour aligner la stratégie des entreprises vers un modèle vraiment durable.